voici Matthew Smith. Matthew Smith, bonsoir. Bonsoir. Do you hear me? Vous m'entendez? I can hear. Oui, je vous entends, 5 sur 5. Voilà. Feel me. Hear me. C'était dans quoi, ça? Touch me. Touch me. C'était dans quoi? Tommy. Bravo. Léo. Tommy Léo. Et voilà. Ardisson, Martin Point. Donc Armand Altaï, qui est prof de chant à la Starac. Mathieu, énorme. C'est une star nationale en France. Elle a fait 30 ans de travail, des super belles chansons, elle s'est donné un mal de chien et elle est devenue star avec la Starac. Et voilà. Et elle raconte sa vie dans un livre. Long. Not that long. C'est pas si longtemps que ça, ouais. Quand même. Not 30 years. Pas 30 ans, quand même. Ouais. Thank you. Alors, je vous présente Mouna Ayoub et Fabien Galthié. Hi, nice Hello. To meet you. Les mariés de l'an 3. Voilà, I'm bonjour. Mouna. Voilà. Voilà. Ça va, Mathieu? Ça va, Mathieu? Ça va très bien. Tu sens le pâté, toi. Je comprends, je comprends. I understand. Bien. Ça va? Yes. Oui, oui, yes. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Qui fait la trad? C'est Robert, bonsoir. Oh putain, Robert. Ça va, Robert? Ah, c'est Robert. Je l'adore, ce Robert. Ça va? Ça va. Ça va, Robert. Bien. Serge? Ça va. Ça va? Catherine, ça va? Très bien. Bah, tout le monde va bien, on va y aller. Alors, donc, vous publiez Matthew Smith chez Plon, un bouquin qui s'appelle Victime, les dernières révélations de Marilyn Monroe. Eh oui, parce qu'on croyait tout savoir et on ne savait pas tout. Alors, pour faire simple, la mort de Marilyn, il y a plusieurs thèses. Il y a la thèse du suicide. Marilyn Monroe s'est suicidée en absorbant une dose massive de barbiturique, d'une imbutale. Ça, c'est la version, disons, pratiquement officielle. Il y a une autre thèse, c'est qu'elle a été poussée au suicide, voire assassinée par les frères Kennedy, parce qu'après avoir été la maîtresse de John et Bob Kennedy, elle en savait trop sur leur lien avec la mafia et elle menaçait de parler. Bref, elle devenait incontrôlable. Ça, c'est les thèses, disons, qui sont discutées jusque-là. Et votre thèse, Matthew Smith, c'est encore une autre thèse, une troisième thèse. En fait, les coupables sont des dissidents de la CIA qui ont été furieux de l'échec de la tentative de débarquement anticastriste à Cuba, dans la baie des Cochons, et qui, pour se venger, aurait assassiné Marilyn Monroe pour foutre les Kennedy dans la merde, pour se venger de cet échec. Et ensuite, ils auraient d'ailleurs organisé l'assassinat de John Kennedy, de son frère Bob, et ils auraient compromis Edward Kennedy, l'autre, avec Marie-Jo Kopechne, la fameuse affaire de Chappaquiddick, quand il tombe dans une rivière avec Marie-Jo Kopechne. Voilà. Alors, effectivement, meurtre organisé par des dissidents de la CIA pour se venger de l'échec de la baie des Cochons. C'est votre théorie? Yes. C'est ma théorie, oui. In fact, you did that. En fait, vous avez présenté ça de manière absolument brillante. Vous voyez, je sais que la CIA était impliquée dans cette affaire parce que l'année suivante, lors de l'année de l'assassinat de John JFK, j'ai un témoin oculaire, quelqu'un qui était en contact immédiat avec quelqu'un qui a reconnu qu'il était membre de la CIA et qui a dit à mon indicateur, la veille de l'assassinat de Kennedy, qu'il serait assassiné lorsqu'il viendrait à Dallas. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, il m'a dit que Bob Kennedy, à son tour, trouverait la mort, et c'est ce qui s'est passé aussi. Alors, il y a quand même quelque chose qui se dégage. On commence à avoir une situation qui se répète. C'était la troisième tentative de se débarrasser des Kennedy qui a échoué. C'est-à-dire que ce que dit Matthew Smith, c'est que finalement, tout ça ne commence pas avec l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas, mais en fait, ça commence avec l'assassinat de Marilyn en 62 par ces dissidents de la CIA, ensuite John Fitzgerald Kennedy, ensuite Bob Kennedy, et ensuite l'histoire avec Edward Kennedy, donc à Chappaquiddick. Donc ce que vous dites en fait, que c'est une opération de plus grande ampleur et qui date depuis plus longtemps que ce qu'on croyait en fait. That's right. Ouais. C'est exactement ça, oui. Et puis en plus,
Ceux qui voulaient se débarrasser de JFK étaient absolument déterminés. Ils voulaient absolument s'en débarrasser. Ils ont vu l'occasion de le faire parce que Bob Kennedy, à l'époque, fréquentait Marilyn Monroe. Il était chez elle deux fois la veille de sa mort. Ils se sont disputés de manière épouvantable. C'est exactement ce que voulaient les assassins. Alors, tout était sur table d'écoute, on les écoutait, la maison était entièrement sous table d'écoute, le FBI, la CIA et même la mafia avaient posé des micros partout, tout le monde écoutait tout. Et puis bien des années plus tard, quand quelqu'un a acheté la maison en question, il fallait procéder à des réparations au-dessus du plafond, et c'est là qu'on a découvert des tas de micros, de fils partout, des gens qui écoutaient tout ça. Et maintenant on est beaucoup plus fin que ça, on arrive à bien planquer les micros. À l'époque, c'était pas juste un petit truc, des câbles partout, des émetteurs partout. Donc voilà, donc cet assassinat, d'après votre thèse évidemment, qui n'engage que vous évidemment, mais en tous les cas, Marilyn Monroe aurait été assassinée pour mettre les Kennedy dans la merde, quoi, finalement. Et non pas par les Kennedy, voilà, c'est ça que vous dites. Alors dans ce livre, vous parlez aussi de cassettes son, enregistrées par Marilyn, Ralph Grinson, le psy, de Marilyn Monroe la voyait en séance de thérapie jusqu'à deux fois par jour, mais comme elle était toujours bloquée, comme elle n'arrivait pas à bien se raconter, il lui avait dit, bah écoutez, enregistrez-vous, il avait peut-être marre en même temps, mais bon, enregistrez-vous toute seule avec un magnétophone, ce qu'elle avait fait. Et donc, aujourd'hui, vous dites, vous, en tous les cas, avoir des informations qui remontent à ces fameuses bandes magnétiques par l'intermédiaire de quelqu'un à qui elles ont été racontées. Je dis bien que c'est des récits, hein, on est bien d'accord. Hein. Yes. C'est ça. Ralph Grinson, Ralph Grinson, le psychiatre, donc oui, was interviewed a été interrogé par le ministre adjoint de la justice, le procureur. Et quand il l'a rencontré, il lui a dit, bah non, Marilyn ne s'est pas suicidée. Alors, évidemment, c'était pas très concluant, et puis surtout pour un psychiatre, évidemment, ça la fout mal quand son client se suicide. Alors, il lui a dit, oui, ben... Et il m'a dit, voilà, il lui a dit plutôt, écoutez ces cassettes, et si vous les écoutez, vous serez convaincu qu'elle ne s'est pas suicidée. Alors, il les a écoutées soigneusement, il a pris des notes, et moi, j'ai eu accès à la transcription de ces cassettes, la personne qui écoutait ces cassettes. Voilà, c'est donc des retranscriptions finalement non attestées d'enregistrements présumés. C'est vrai. Mais enfin, quand même, disons qu'il y a beaucoup de choses qui semblent aller dans le sens de la preuve. C'est-à-dire que la personne qui m'a donné les transcriptions est devenue un avocat très respecté, quelqu'un de apparemment très crédible quand même à Los Angeles. Deuxièmement, pourquoi aurait-il monté cette affaire de toutes pièces? Il n'avait aucune raison de faire croire que ces pièces étaient authentiques si elles ne l'étaient pas. Et puis enfin, si l'on lit ces retranscriptions, on voit ce que d'autres personnes ont dit et cela correspond exactement au discours de Marilyn. Mathieu, c'est pour vous. C'est une carte de bon client, effectivement. Je crois que tu l'as pas raté, lui. Non, là, effectivement. Gagné, là. Laurent, il a l'œil. Dès qu'il voit un bon client, il lui donne sa carte, absolument. C'est très gentil. Alors, on apprend quoi dans votre bouquin, Matthew Smith? On apprend que Marilyn Monroe était super admirative de John Fitzgerald Kennedy, mais un point absolument inimaginable. Elle dit « Marilyn Monroe est un soldat ». Son commandant, j'aimerais bien que vous preniez de la graine, les filles, son commandant en chef est l'homme le plus grand et le plus puissant du monde. Voilà. Donc elle était très très amoureuse de Kennedy, on en a la preuve à travers les bandes. Elle parle de son mari, Joe DiMaggio, qu'elle a aimé beaucoup, qui est un joueur de baseball, hein, Joe DiMaggio, qui était le seul d'ailleurs qui est venu à son enterrement. Mais ça ne pouvait pas marcher entre eux parce que lui, il voulait une épouse traditionnelle un petit peu. Il ne comprenait pas que sa femme soit une star. C'est ça l'histoire. Il voulait qu'elle soit la bonne femme au foyer avec le tablier, qui fasse la cuisine à la maison, qui reprise les chaussettes. Et ça ne lui plaisait pas trop. Cela étant,
tout semble indiquer, lorsqu'on lit encore une fois les transcriptions, qu'elle comptait revenir vers Jody Maggio. Et il a même été dit qu'ils allaient se remarier, figurez-vous, le mercredi qui a suivi en fait sa mort. Donc ça n'a pas pu se faire parce que sa fille a enterré à la place. Voilà, donc c'est vrai que Jody DiMaggio, tu vois, qui c'est Jody DiMaggio? C'était le point fixe un petit peu de Marilyn Monroe. Elle parle d'un autre de ses hommes, Arthur Miller, grand auteur dramatique américain. En fait, elle dit en parlant de lui, la chose ne l'intéressait pas beaucoup. Le sexe, ce n'était pas le truc d'Arthur Miller. C'est une des raisons pour lesquelles ça se passait mal. Et alors, elle dit, je simulais un plaisir exceptionnel pour qu'il se montre plus entreprenant. Voilà, alors, il y a une histoire, évidemment, qui a un scoop énorme. Est-ce que, je ne sais pas si nos téléspectateurs se souviennent de Joan Crawford. Joan Crawford, c'est une actrice qui jouait dans Johnny Guitar, qui était très homasse comme ça, qui avait les cheveux courts, noirs, qui était très, très, très masculine. Et effectivement, on apprend que cette Joan Crawford a eu une liaison homosexuelle avec Marilyn Monroe, et à un moment, l'autre lui saute dessus, un petit peu comme vous, avec votre auteur, et Crawford lui saute dessus, elles font son, enfin, je ne sais pas ce qu'elles font exactement, mais elle dit en tous les cas, Crawford, Joan Crawford a eu un gigantesque orgasme, et elle a crié comme une folle. Well, that's right. C'est dans son livre. Alors attends, excusez-moi Mathieu, c'est dans la version anglaise de son livre. Dans la version française, ça a été supprimé, ça. Oui. Dans la version portugaise, ils ont coupé les poils aussi. Vous savez, Marilyn Monroe était curieuse, elle voulait tenter l'expérience. Et je sais que les gens se posent la question. Ils voulaient savoir si Marilyn était tentée par le lesbianisme. Et puis en fait, là, effectivement, on le sait, disons directement, de l'intéressé, qu'elle avait essayé, mais ça lui a pas plu. Non, ça lui a pas plu. Elle n'a pas voulu recommencer à faire l'amour avec Joan Crawford. Et dit-elle, l'autre est devenue malveillante à son endroit. Elle l'a pris un petit peu en grippe à cause de ça. Voilà. Et alors, ce qu'on apprend aussi en lisant votre livre, enfin c'est ce qu'elle a dit en tous les cas dans ses bandes, c'est qu'elle ne connaissait pas l'orgasme, Marilyn Monroe. Hein. That's quite true. C'est tout à fait exact. Et c'est assez étonnant, pourrait-on croire, avec une femme comme elle, mais enfin, et c'est là justement qu'elle a été très reconnaissante à son psychiatre, qui l'a décoincé sur ce chapitre-là. Ah oui. Marilyn Monroe ne connaissait pas l'orgasme, et son psychiatre lui a expliqué qu'un orgasme se produit non pas dans les parties génitales, je dirais, mais dans la tête. Voilà, elle ne savait pas ça. Elle pensait que l'organe se situait... Vous pensez quoi, Fabien, vous? Non, mais... On lui traduit. J'ai besoin d'un traducteur. Non, vous pas, non, sérieusement, l'orgasme, il se situe où, l'organe? Bah, dans la mêlée. Par exemple, mais... Non, sérieusement. Sous la douche, dans le jeu, à travers le jeu... Ouais. Et puis, dans la tête aussi. Mais je crois ce qu'a raconté le psychiatre. Ben je crois que c'est Armande Altaï qui va nous départager. Armande. Moi, je crois que Marilyn était tellement gentille, elle voulait tellement faire plaisir. Elle était trop préoccupée par le fantasme qu'elle voulait procurer. Ah oui. Je pense que c'est ça qui... Ça allait jusqu'à lui bloquer toute... Je pense qu'elle ne voulait pas perdre le contrôle parce qu'elle voulait surtout être aimée et surtout faire plaisir. Mais ça ne répond pas à la question que Thierry a posée. Moi, je pense que c'est les deux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aux États-Unis, il y a plein de bouquins comme ça, de théories sur les complots, les conspirations. Ils viennent très souvent des best-sellers. Et alors, les Américains finissent par croire, à force de lire des bouquins, excusez-moi, comme le vôtre, ils finissent par croire que Saddam Hussein est lié à Oussama Ben Laden, que Elvis n'est pas mort. Saddam Hussein possède des armes de destruction massive. Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment comme ça un dérapage général en Amérique sur toutes ces théories du complot, de la conspiration, non? Disons qu'il y a eu beaucoup de livres, mais pas nombreux ont été crédibles. C'est-à-dire que les gens présentent leurs idées, mais enfin, elles sont fondées sur rien du tout. Donc, ici, c'est un peu différent parce que, au contraire, le livre s'appuie quand même sur des éléments concrets. What about a cup of tea?
Avec plaisir, avec plaisir. C'est pour moi. Sur mes cup of tea. Milk. Faut avoir du lait, vite. Bien. Merci. Alors, vous pensez quoi de cette histoire-là? Je pense que c'est une théorie comme toutes les autres. Ouais. J'arrive pas à croire que des dissidents de la CIA vont... Vous pensez quoi de la théorie de Matthew Smith? Je pense que chaque fois qu'on soulève un coin du voile, on est loin de la réalité. Mais ah. Marilyn, ou la plupart des gens qui se suicident, c'est presque toujours des assassinats très réussis. J'ai écrit une chanson sur Marilyn. Ah bon? Ça, ça faisait quoi, vas-y. J'ai rêvé de toi en peignoir de soie, Marilyn, Marilyn. Mais que me dis-tu? Que balbuties-tu, Marilyn, Marilyn? Bravo. Très bien, Matthew, merci d'avoir été avec nous. Thank you. Attends, il n'a pas Matthew bu son thé. Smith. Il n'a pas bu son thé. Mais il va l'emporter. Ah, yes, you want to drink your tea? I'll drink my tea for okay. Two and two for tea. You and me. C'est une maison bleue. Je sais, hein, la colline. On y vient à pied. On ne frappe pas ceux qui vivent là. On jette les clés. Le lundi au soleil. Donc on, pendant que Matthew va chanter. Hurry up, hurry up. Oh. We've got comment a dit show dégage en anglais. Comment on dit dégage en anglais? Nice yeah. To meet you. Thank you very much. Thank you. Matthew Smith, victime. Les dernières révélations de Marilyn Monroe. Bye bye. Keep it, keep it. C'est édité chez Plon. Il revient quand il veut, il a la grève.